Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment jouer Guaranteed, donc l'une des chansons d'Into the Wild du film. La première partie, les deux premières lignes, elles sont répétées deux fois, et l'accompagnement qu'on va suivre à la main gauche, c'est donc sur les accords, donc c'est un arpège. Un arpège sur les croches, donc comme chaque accord dure quatre temps, il faut donc le jouer deux fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il nous faut deux fois quatre croches pour arriver à quatre temps d'un accord. Donc ça c'est pour le sol, le si mineur. Ensuite le sol septième, bah, on refait un sol normal. Puisque la septième est jouée à la main droite, c'est-à-dire ça fait un petit peu bizarre à l'oreille, mais une fois qu'on le joue assez rapidement, ça passe très bien. L'accord de Do slash E, enfin C slash E, donc quatrième mesure, donc c'est un renversement d'accord de Do, donc l'accord de Do normal est celui-ci, l'accord de Do renversé c'est celui-ci, Mi sol Do, et donc on va le jouer pareil. Et donc vous voyez la main droite va être assez proche. Mais normalement, techniquement, on est censé lâcher le Do avant que l'arpège revienne sur cette note-là. Hein. Donc normalement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Dans les deux mains. Bon, on va prendre un do normal. Après, il y a un sol. Il faut le jouer plus bas parce que la main droite, elle va descendre. Elle va aller vers la gauche, donc assez loin. Donc, on va descendre l'accord de sol. Comme on est en arpège, ça va. Ça fait pas trop moche à l'oreille. Et puis après, c'est. Alors là, donc la mesure 7, on a deux accords, le ré et le ré suspendu 2. Donc le ré. Voilà, ça sera deux temps, et puis deux temps de ré suspendu 2. C'est un mi à la place du fa dièse. Suspendu 2, ça veut dire quoi? On va suspendre la tierce, donc la tierce de l'accord c'est celle-ci, on va suspendre la troisième. On va rajouter, on va lui remplacer par la deuxième, la seconde de l'accord qui est un mi. Alors ici, cette fois-ci, la main droite sera ici. Donc il va falloir lâcher la note qu'on était en train de jouer à la main droite un petit peu plus tôt pour pouvoir poser notre note à la main gauche. Pas oublier dans la mesure 8 l'accord de ré, donc vous devez le faire deux fois, il dure 8 temps à nouveau, hein. 4 temps à nouveau, pardon. Donc ça nous donne. Comme je joue des croches, voilà la synchronisation normand. La pédale à chaque changement d'accord. Si vous ne savez pas comment utiliser la pédale, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Voilà, donc, et pour la deuxième partie, donc mesure 9 à 16, je change d'accompagnement. Je vais faire un arpège un petit peu plus étendu. Alors, en réalité, je ne fais pas que ça, mais vous pouvez vous contenter de ça dans un premier temps. Ça fait un arpège, vous changez d'accord, donc c'est changer d'arpège, donc c'est sympa déjà. Maintenant, moi j'ai fait un arpège un petit peu plus compliqué. Mais d'abord, je vous finis de vous détailler cet arpège-là. Donc le sol. Donc l'accord de sol, c'est comme ça. Vous l'étendez sur une octave, vous enlevez la note là. Après, pour le si mineur, si j'applique la même règle, ça fait ça. Ensuite, le sol septième. Voilà, donc pour le do sur une basse de mi. Je rajoute l'octave, donc le mi à nouveau, et j'enlève la deuxième note de l'accord de base, celle-ci donc. Et puis pour arriver à la mesure 15 et 16, j'ai refait le même accompagnement que je faisais les mesures 7 et 8. Hein. Puis après, je termine par une espèce d'arpège final où je pose l'accord de ré sur la mesure 16 en fait.
Voilà. Donc ça, c'est pour l'arpège sur un accompagnement en octave. Hein. Donc toujours sur les croches. Hein. Donc faut faire deux fois l'accord. Hein. Alors si vous voulez faire une variante un peu plus développée, il va falloir reconsidérer vos quatre notes. Donc les quatre premières notes, vous faites ce qu'on faisait jusqu'à présent et les suivantes. C'est-à-dire vous repartez pas du petit doigt. Après le si mineur. Donc là j'ai rajouté le septième en deuxième temps, mais pour le sol septième vous pouvez faire un sol normal. Hein. Donc ça c'est pour l'accord de do renversé sur une base de mi. Alors, ça complète le tutoriel Synthesia que j'avais publié il y a quelque temps. C'est à peu près la même chose. Hein. Donc, si vous avez besoin du module Synthesia, enfin de visualiser, bon, ben, voilà, vous avez l'autre vidéo pour ça. Je vous laisse avec ces conseils-là sur ce morceau et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.